Hey, salut tout le monde, c'est Xuki, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Danganronpa Trigger Happy Havoc. Aujourd'hui, le quatrième procès qui nous voit, en fait, enfin, qui nous voit, absolument pas, mais où l'on va devoir trouver le coupable. Qui a tué Sakura Ogami? Ogami. Mince, comment ça s'appelle déjà? Sakura Ogami, oui, c'est ça. Donc, regardons les preuves vite fait. Leur dossier, donc la victime est Sakura Ogami, l'heure de la mort est estimée aux alentours de midi, le corps a été découvert dans la salle de jeu au deuxième étage, et il y a des signes d'un puissant coup porté à la tête de la victime, pas d'autres blessures ne sont notées, par contre, la victime a souffert des vomissements de sang violent. Très bien, bon, ensuite il y a la porte de la salle de jeu, il y a une chaise qui bloquait la porte. Sakura était morte, assise, recroquevillée sur elle-même. Des traces de sang sont présentes autour de sa bouche. Aucune blessure ni indication semble expliquer pourquoi elle a vomi du sang. Une tache de sang devant les magazines. Peu importe. Un emballage de bonbons à pois rouges qui était à côté d'elle. Selon Aoi, elle avait monopolisé tous les bonbons de ce genre au moment où ils ont été disponibles. Ensuite, les bouts de verre. Bon, il y avait des bouts de verre derrière. On peut imaginer que c'est l'arme du crime qui a permis de fracasser Sakura à la tête, peut-être. On a trouvé une figurine de Monokuma par terre. Il y a plusieurs bouteilles de rouge sur l'étagère. D'ailleurs, donc apparemment, je pense qu'on va voir ça après, mais sur la balance, en fait, il y avait plus... Les morceaux de verre qu'on a trouvé par terre étaient plus lourds qu'une bouteille normale, alors que normalement, elles ont toutes le même poids. Mais là, on voit qu'il y a quand même deux bouteilles en moins. Mais du coup, ça voudrait dire que le coupable a caché une figurine et du coup, un cul de bouteille et un haut de bouteille, en fait. Les deux extrémités. Ouais. Donc, il y a plusieurs bouteilles. Une canette de boisson protéinée, Chem A2. Ok. Des empreintes ont été trouvées dans le casier ouvert. Je sais pas du tout ce que ça pourrait signifier. Témoignage de Zdaoi, donc apparemment Toko, Byakuya et Yatsuhiro ont été invités à rencontrer Sakura, mais sauf qu'aucun d'eux ne les aurait... Aucun d'eux n'est allé la voir. Donc les témoignages de Toko et de Byakuya. Déchets de poche, donc Yatsuhiro avait aussi un papier de bonbons dans sa poche, bizarre. Il y avait de la poudre jaune sur les chaussures de Sakura. Résumé de l'examen de Kyoko. Donc Sakura aurait souffert de deux coups à la tête, aucune trace de sang n'a été trouvée sur ses mains. Donc là, bon, ça on en a parlé. Apparemment, il y a Toko qui est écrit dans le magazine. Intéressant, et l'armoire de... Je sais pas à quoi ça va pouvoir nous servir. Donc en fait, il y a trois armoires. L'armoire A contient des additifs, l'armoire B contient des réactifs. Et la section C renferme des produits chimiques nocifs. Et une bouteille étiquetée de section C a été placée dans la section A. Et devant l'étagère du laboratoire de chimie, une bouteille Chem CA, enfin C4 plutôt, se trouvait au sol. Donc d'ailleurs, la matière jaune devrait être celle qui est présente sur les chaussures de Sakura. Et quelqu'un a marché dans la poudre. Bon, du coup, passons. Je vais juste regarder, je vais juste vous remontrer un petit peu mes compétences. Donc, j'utilise... la voix d'or qu'on a depuis le début augmente les dommages à opposants quand ces armes augmentent sont détruits. Bon, c'est bien. Vocabulaire augmente les nombres de balles efficaces pendant la contre-attaque par balle. La contre-attaque par balle, c'est le mode le plus difficile. Donc, autant tout mettre toutes nos chances de notre côté sur ce mode de jeu. Rétrogradation, c'est la sensibilité de la visée qui est un petit peu plus faible. C'est plutôt bien pour viser. On a la concentration intimidante, donc du coup, on a une concentration de plus 5. On a l'influence privilégiée qui nous permet d'avoir l'influence plus 5. Donc clairement, on va avoir 10 d'influence et 10 de concentration. Donc on est plutôt bien. Et on va terminer les préparations et du coup, le procès de classe. Levez-vous !晴れて卒業となります。
さてと、何から始める？犯人はもう決まってるよ。は、なんかで、さくらちゃんを殺した犯人はさくらちゃんのことを憎んでた戸上か深川か葉隠れ。バカバカしい。私は関係ないわよ。そうだべ。俺が人殺しなんてするわけねえべ。言い訳したってダメだよ。Ina semble vraiment sûre que l'un de ces trois-là est le tueur. Mais elle doit avoir une raison d'y croire. Alors, apportez vos arguments. Donc, témoignage d'Aoi. Donc, qu'est-ce que fait le témoignage d'Aoi déjà ? Hop. Témoignage d'Aoi. C'est lequel ? C'est celui-ci. Sakura a écrit une note Toko. Elle a glissé les notes sous chaque porte des concernés. Ok, bon. C'était l'un d'entre vous. Sakura-chan, on a tué Sakura! Pourquoi est-ce que nous sommes les coupables? Parce que vous avez tous un mobile. Sakura-chan, on vous détestiez. C'est ça. 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 Non, ok. Ok, c'est l'argument de Yatsuhiro qu'il faut... Je suis sûr qu'elle a déjà évoqué plus tôt. Bon. C'est l'argument de Yatsuhiro qu'il faut contrer. Qui est... Pas ici. Ici. Hop. Ça passe. J'avais un petit loot. Allez. Asahina-san a été évoqué. Ces trois personnes ont été appelées à Ogami-san. C'est vrai. しかも事件の直前にね。だから間違いないよ。そいつらの中にさくらちゃんを殺した犯人がいるんだ。Ina n'a pas tort. Il y a une bonne raison de suspecter chacun de ces trois-là. Alors est-ce que cela signifie que l'un d'entre eux l'a fait ? On enchaîne. Apportez vos arguments. Donc déchet de poche. Ok, le déchet de poche. On a compris.Sakura-chan voulait rencontrer tous les trois. Pas suspect. Je ne suis jamais allé la voir. Il y en a au moins un qui ment. Il y a une contradiction claire dans ce que l'un d'entre eux vient de dire à l'instant. S'ils n'ont pas vu Sakura, alors comment peuvent-ils l'expliquer ? En effet. J'avoue, Byakuya, comment peux-tu expliquer le papier ? Donc, il n'y a aucun rapport. Hop, on tire ça là. Hagakure-kun a parlé de moi pendant que je parlais de petits papiers, non ? 赤い水玉模様の髪だよ。なんで急にそんなこと言うんだべ。赤い水玉模様って、私がさくらちゃんにあげた飴の包装紙と一緒だ。いやそれはその、あの飴は倉庫に入れるようになった直後、私が段ボールごと独り占めしてるから、それと同じものはもう倉庫にも残ってないはずだよ。だとしたら葉隠れ君はその飴をどこで手に入れたの？さくらちゃんからだ。それしかないよ。その、オーガからもらったのは確かだけど、もらったのはずいぶん前なんだ。だから事件とは関係ないんだって。Il est tellement débile, il est tellement suspect as fuck quand même. いつもらったの？葉隠れ君が大神さんと最後に会ったのって。朝比奈さんを保健室に連れて行った時だよね。つまりあの時より前にもらったってことだべ。Mais ce qu'a dit Hiro ne peut être vrai, parce que Sakura n'a seulement pu avoir le bonbon qu'après l'incident dans l'infirmerie. La raison pour laquelle je sais ça est Sakura aimait trop les bonbons pour partager. Hiro a eu le bonbon de la part d'Ina quand Sakura a eu ce bonbon.Hiro a eu le bonbon de la part d'Ina. Donc, bon, ça c'est débile.
Donc je dirais quand Sakura a eu ce combo. Regarde. Bah oui. Pourquoi hésiter? C'est là, c'est bizarre. Asahina-san a Ogami-san ni ame o ageta no wa hokken-shitsu kara deta ato datta nda. Hokken-shitsu de atta no wa saigo nara Hagakure-kun ga sono ame o moratteru hazu ga nai nda yo. Arema. Sore wa sono Oh, atta sa. Gorakushitsu de Ooga to atta sa. Sore no nani ga warui nda tte? Gyakugire. だけど、会っただけだべ。俺は何にもしてねえって。お願い、信じて。怪しいわね、あなた。怪しいのはおめえの方だべ。また逆ギレ。ただの逆ギレじゃねえぞ。犯人は深わっちなんだ。はあ？証拠って何のこと？シャイニングメッセージだべ。シャイニングメッセージ？これ。Qu'est-ce que serait un shining message déjà? Tembani, Fukawa te chimoji ga atteru. Soda, dying message dabe. Maizonochi no toki ni mo sonna koto yutte tan janai ka. Ah, sore te watashi mo mita. Soda ro, soda ro. Hanni wa Fukawachi nan dabe. Nani itte no yo? Sonna wake nai janai. Oujou giwa ga wari zo. Hagakure-kun, chotto matte.あなたがそのダイイングメッセージを見つけたのはいつ？確かオーガの死体を発見した時だべ。そうだったわね。あなたは朝比奈さんから現場の捜査を禁止されていたのよね。つまりダイイングメッセージを見つけたなら死体を発見した時しかないはずよね。あ、un instant。Et quand Kyoko a trouvé le magazine avec le dernier message à l'intérieur, c'était sous l'étagère de magazine, au-dessus de l'étagère, sur l'étagère de magazine. Kirigiri-san a mis ce qu'il a trouvé dans le magazine. C'est vrai. J'ai pris le magazine de la magazine et j'ai trouvé un message dying message. J'ai trouvé un message de la source de la source de la source. C'est vrai.さっきのハガクレ君の発言っておかしいよね。おかしい？何がおかしいんだべ。何もおかしくねえっての。Il y a bien quelque chose d'étrange concernant cela. Kyoko a trouvé le dernier message pendant l'enquête. Dans ce cas-là, cela est clairement en contradiction avec ce que Hiro nous a raconté. Apportez vos arguments. Alors, dernier message du magazine.Du coup, j'ai pas trop compris la contradiction. Est-ce que j'ai trouvé le dernier message? Je pensais pas que ça allait détruire les deux. L'enquête est débutée. J'ai vu ces derniers mots. C'est quoi ton problème? Il dit avoir vu le dernier message quand il a découvert le corps. Et à ce moment-là, où se trouvait le magazine? Ok, bon. Alors, c'est ça, quand le corps... comment on fait déjà? Non, c'est pas ça! D'accord. Je me souvenais plus des touches, mais c'était... Je pense qu'il faut faire un flashback.Enfin, un flashback, puisque le dernier message du magazine, genre, Osef, cet argument. Enquête est débutée. Ok, l'étagère de magazine, c'est bon. Passons, il a dit qu'avoir vu le dernier message, blablabla. Ouais. Quand le corps d'ogre a été découvert. Oh, j'ai réussi, je pensais pas. Franchement, je vois pas du tout.Non, je vois pas du tout la logique. Ogami-san no shitai ga hakken sareta toki, ano zashi wa mada zashi dana no naka ni atta nda. Kirigiri-san ga sore o tori dashita no wa sousa ga hajimatta ato no koto nanda yo. Tsumari, sousa no toki ni genba ni inakatta Hagakure-kun ga dying message o mita hazu ga nai nda. Oui, ça c'est évident. Mais en fait, ça me paraît tellement évident que ça me paraît
con que lui il pensait que c'était une bonne, un bon argument. Genre, je parle de Yatsuhiro. Hagakure-kun, honto no koto oshiete yo. Kimi wa ano dying message wo itsu mita no? Ma, mate. Hanashi wo surikaen na tte. Ore ga itsu mita ka wa mondai ja nee hazu da. Ooga ga nokoshita Viking sausage ni yoruto, hannin wa Fukawachi de machigai nee hazu da be. Nanka, dotchi kara tsukkomu beki ka wakaranaku natte kita. Sore ga aitsu no tte na no yo. そもそも、あのダイイングメッセージって、本当に大神さんが書いたのかしら？はい？そんなん決まってんべ。間違いなく、オーガが書いたもんだべ。100% 絶対的にオーガが書いたんだ！この俺が言うんだから、間違いねえって！ 100% sûr? Non, j'ai vraiment un doute à ce sujet. Il est impossible que Sakura ait écrit ce message.Le moment de vérité. Non, pas ça. Je n'aime pas ce genre, ce mode de jeu. Je déteste ce mode. Je déteste ce mode. Je déteste ce mode de jeu de merde.俺の占いは3割当たる。オカルトは信じねえんだ。ダメ。役立たずだべ。ノー。ノー。占いは3割当たる。オカルトは信じねえんだ。世紀末だべ。俺の占いは3割当たる。オカルトは信じねえんだ。役立たずだべ。世紀末だべ。ノー。ノー。聞かん聞かん聞かんって証拠あんのかってこれで証明する Je déteste ce mode de jeu! Il est tellement nul! Il est tellement nul! Ça bouffe juste ta jauge de vie à fond là! 大神さんがあのダイイングメッセージを書いたとは考えられないよ。だって、あのダイイングメッセージって指で書かれたみたいだったけど。でも彼女の死体は両手とも綺麗なままだった。あれじゃあそのダイイングメッセージって誰が書いたのひょっとして葉隠れ君が捏造したものだったりしてだからこそ彼はダイイングメッセージの存在を知っていたとかはいそうなんですあ認めたCette réaction やっぱりそうだでもどうして捏造なんか？それは、その…俺がオーガを殺しちまったからだ！ Tu avoues l'avoir tué？ 聞いてくれるか？俺の最後の話を。En tout cas, ça crée un procès, hein, ça a duré 20 minutes. オーガからの呼び出しのメモを受け取った俺は、約束通り、昼前に娯楽室に向かったんだ。のこのか会いに行ったのかバカなやつめそん時のことだべ Désolé, mais ça ne te dérange pas d'attendre. J'ai demandé également à d'autres personnes de venir. Ok. Voudrais-tu un bonbon? Cela pourrait te donner de l'énergie. Oh, bien sûr, merci. だけど、それを最後にオーガは口を開かなくなった。しんどい沈黙だったべ。その時だった。急にオーガが何かをつぶやいたんだ。Ça y est, je vais en finir aujourd'hui. En finir avec tout. それを聞いた瞬間、なんかひらめいちまったんだ。オーガは俺を殺す気だって。俺を殺して、ここから出ていく気なんだって。俺はビビっちまって、そんで。月を見て近くの棚にあったモノクマボトルでオーガに殴りかかっちまったんだオーガの背後から不意の一撃を食らわしちまったんだべそうしたらオーガはぐったりしてそのまま動かなくなっちまった俺はそこで我に返ってこのままじゃ処刑されちまうと思って
テーブルの上にあった雑誌に不可はって血文字を残してとんずらしたんだ。迷惑よ、バチに値するわ。これが今回の事件の全貌だべ。あとは煮るなり焼くなり好きにしてくれ。煮たり焼いたりなんかしないよ、処刑だよ。さくらちゃんを殺したあんたは処刑だよ。じゃあもう投票でいいよね。犯人も決まったんだしさ。いいえ、葉隠れくんの話はまだ終わっていないはずよ。え、終わってないって？今の葉隠れくんの話だけでは説明のつかない彼の行動があったはず。その説明を聞かない限りはまだ終われないわ。Donc qu'est-ce qui ne va pas dans de tout ce qui qu'est-ce qui n'a pas de sens dans ce que Hiro a dit? Ce qu'il aurait dû faire après avoir écrit le message, ça n'a pas de sens. Pourquoi le magazine était caché? Pourquoi il a choisi Toko? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas utilisé le doigt de Sakura? Ça, c'est parce qu'il est débile. Ça, c'est parce qu'elle est très suspecte. Et ça, bah, il n'était pas vraiment caché. Pourquoi le magazine était caché? Oui.そういえば、さっきの話には葉隠れくんが雑誌を隠したことの説明がなかったよね。死体が発見された時、ダイイングメッセージが書かれた雑誌は雑誌棚に戻されてたけどさ、どうしてわざわざ見つかりにくい雑誌棚に戻したの？それじゃ捏造の意味なんてないのに。いや、というかだな、俺は隠してなんかねえぞ。ちゃんとテーブルの上に置いといたはずだけど。え、嘘よ、嘘に決まってるわ。すでに犯行を自白しているのに今さら嘘をつくとは思えないわ。嘘じゃないってこと？だとすると葉隠れ以外の誰かがあの雑誌を雑誌棚に戻したということになるな。つまり事件前後に娯楽室を訪れた人物が他にもいたということか。おそらくその考えで間違いないはずよ。それって誰なの？その人物があの雑誌を隠したんだとする、それはあのダイイングメッセージを見られると困る。Quelqu'un qui n'aurait pas aimé ce qui a été écrit, il n'y a qu'un seul choix. Et je pense que c'est Byakuya, bien sûr, puisqu'il ne veut pas que Toko soit accusé. Il aime beaucoup trop Toko. Même moi, je me trouve pas crédible sur ce point. Donc c'est Toko. C'est Fukawa-san, d'ailleurs. Et? D'ailleurs, dying message を見られて困る人って、実際に名前を書かれた福川さん以外に考えられないよ。そうなの？あんたも娯楽室に行ったの？なんで私が？いえ、そうじゃなくて、そんなことはどうでもいいじゃない。犯人はもう決まったんでしょ？さっき葉隠れだってそう認めてたじゃない。そうです、俺がやりました。いや違うよ。なんであんたが答えるのよ。葉隠れくんが大神さんをボトルで殴ったのは確かだよ。でも事件はそれで終わりじゃなかったんだ。終わりじゃなかったってどういう意味？つまり葉隠れくんは犯人じゃない。何言ってんのよ、そんなことありえないわよ。だったらもう一度葉隠れくんにさっきの話をしてもらいましょうか。そうすればはっきりするはずよ、彼が犯人じゃないってことが。あの、それで俺はどうすれば？今言った通りよ、もう一度大神さんを殴打した時のことを話して。なんかわからんけど、わかったべ。Nous n'avons pas encore éclairci l'affaire. Hiro n'est pas le véritable tueur. Et j'en ai la preuve. La meilleure OST de ce jeu. L'une des meilleures OST. Résumé de l'examen de Kyoko. État du corps de Sakura, poudre jaune. Je pense que c'est le résumé de l'examen de Kyoko qui va être important puisque... On lui a asséné deux coups. Et lui, il a dit qu'il en avait asséné qu'un seul. J'ai frappé l'ogre par derrière avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit. Donc, probablement ça. Il a frappé qu'une seule fois. Ouais, une seule fois. Hop! Quoi? You really? Qu'est-ce qui va pas? J'ai dit un truc bizarre? Je vais y réfléchir. Non!
Bon allez, du coup on avance un petit peu plus vite. Affreux, tu es affreux. Sakura. Hiro a frappé Sakura, c'est certain, mais ça n'est pas tout. Il y a quelque chose qui prouve ça, les blessures sur sa tête. Attendez, comment... Ouais, c'est comme ça. Résumé de l'examen... Ah mais non! Attendez, qu'est-ce que j'avais sélectionné? J'avais pas le bon truc... Résumé de l'examen qui est... J'avais pas la bonne balle de sélectionner, c'est ça? Quoi? Oui, voilà, j'avais pas la bonne balle. Que suis-je bête? C'était ce que je voulais faire depuis le début.彼女の頭の傷が2つだったことの説明がつかないよ。ん?2つ?そう。彼女の頭部の傷は2つだったのよ。死体を触るのが趣味の女が言うんだ。間違いないんだろう。でも、俺が殴ったのは1回なのに、どうして頭の傷が2つあるんだ?実は、オーダが2回あったってことよ。しかも、モノクマボトルによるオーダがね。 J'aime bien. Deux blessures signifie qu'elle a été frappée deux fois, oui. Je pense que ça paraît logique. ちょっと待ちなさいよ。頭の傷だけでどうしてそこまでわかるの?オーダが2回もあったなんて。それもモノクマボトルによるオーダなんて。手がかりは頭の傷だけじゃない。現場に残されたモノクマボトルにもあったわ。あのモノクマボトルには明らかに不審な点があった。 その不審な点をはっきりさせることで、モノクマボトルでのオーダが2回あったとわかるのよ。思い出してみて。事件後の娯楽室の棚には4本のモノクマボトルが残されていたでしょ?それと床には1本分の破片とモノクマフィギュアが落ちていたわね。羽賀倉君が大神さんをオーダした時に割ったボトルだよね。 つまり、あの現場には4本のモノクマボトルと1本分の破片があったことになるけど、でもモノクマボトルは全部で6本のはず。どうしてモノクマボトルが全部で6本だってわかるのよ。簡単よ。あのモノクマボトルに隠された規則性を見れば、すぐにわかるじゃない。 La corrélation entre les bouteilles Monokuma. Je pense que ça commence à devenir clair. Ce lien doit être... C'est l'objet de la figurine Monokuma... Que la figurine Monokuma tient dans chacune des bouteilles. Comment ça s'appelle? Anagramme Starto. Pièce d'échec. Pièce d'échec, ok. Donc, il me faut un P. P.S. Wow, ça va un peu vite. Attendez. Il y a avec les accents. Pièce des... Il y a une apostrophe. Attendez. Ouais. Il faut que j'attende une apostrophe. Really? Ça? Ouais, c'est ça. D'accord, c'est assez mal fait. Bon, C. Le C. Le C. Là. Échec. Échec. Avec un C et un S. Un C et un S. Bon, du coup, ça va un peu plus vite. Ça va péter un câble. Et un S. Un S. Un S. Un S. Voilà. Les pièces d'échecs. Les anagrammes sur ce jeu sont plus simples. Bon, la façon de le faire est un petit peu plus compliquée que V3. Je trouve que les mots à trouver sont plus simples que dans V3, justement. Du coup, oui. ボトルの中のモノクマフィギュアが持ってるのは全部チェスの駒なんだ。キング、ルーク、ビショップ、オン。確かに全てチェスの駒だな。それと割れたモノクマボトルの中に入ってたモノクマフィギュアはナイトの駒だったよね。それがどうしたのよ。あなたはチェスにはあまり詳しくないのね。だったら教えてあげるわ。
チェスの駒の種類はキング、クイーン、ルーク、ナイト、ビショップ、ポーン、全部で6種類なのよ。だけどあの現場に残されていたのはキング、ルーク、ビショップ、ポーンの4体と床に落ちていたナイトだけ。あ、クイーンのフィギュアが足りないんだ。そうなんだ。現場にあったモノクマボトルの5本、つまり1本足りないんだよ。な、何よ、チェスが何だって言うのよ。日本人なら将棋だべ。そうよ、じゃなくて私が言いたいのは、確かにボトルは足りなくなってるかもしれないけど、それが事件と関係している根拠なんてどこにもないじゃない。事件前からすでに1本欠けてたのかもしれないじゃない。いいえ、なくなったモノクマボトルが事件に関係しているのは明白よ。なんで明白なのよ。なくなったモノクマボトルはどういう状態だったの、それを考えてみればわかるはずよ。Attends, alors la bouteille qui a disparu, c'était agitée, c'était cassée, c'était complètement intacte, ouais, c'était cassée, je pense. Oui. なくなったモノクマボトルはおそらく割れた状態だったはずだよ。どうしてそんなことがわかるのよ。だって証拠も残ってるから。証拠？現場で割られたボトルが一本だけじゃないってことを示す証拠だよ。何なのよ、その証拠って。Ce n'était pas juste une seule bouteille brisée, et la preuve qui le démontre est que Kyoko et moi, on s'en est rendu compte plus tôt. Enfin, c'est surtout Kyoko, hein, pas nous. Hein. Et c'est expérience bouteille Monokuma. Présentez les mots. Saki, 僕とキリギリさんはちょっとした実験をしてみたんだよ。現場に散乱してたボトルの破片と割れてないモノクマボトルの重さを比べてみたんだ。そしたら集めた破片の方が重くなったんだ。現場に散乱してた破片がボトル1本分より多かったからなんだよ。つまりあの現場では2本のモノクマボトルが割られていたのよ。だけどそのうち1本分の破片とモノクマフィギュアは何者かに処分された。その際その人物は破片を多めに残してしまったんでしょうね。まあきっちり測れというのも難しい話でしょうけど。でも破片を処分ってどうしてそんなことをする必要があったの？それが事件に関係するものだったからだよ。Il ne peut y avoir aucun doute sur le fait que la deuxième bouteille Monokuma disparue est impliquée dans cette affaire. Elle a dû être utilisée pour le deuxième assaillant de Sakura, des amateurs de bowling. Le premier assaillant de Sakura, le deuxième bien sûr. Pour les amateurs de bowling. Ogami-san の2発目の王だ。処分されたモノクマボトルはそこで使われたんだよ。大神さんの頭部にあった2つの傷。それらを踏まえて考えてみれば、導き出される結論は。それしかないわ。そして犯人は一本分の破片だけを処分することでオーダーは1回だったと見せかけようとしたんだ。だとすると2発目のオーダーを行った人物はハガクレ君以外の誰かということになるはずよ。そうだね、深川さん。え、雑誌を隠した件もあるし、あなたが事件前後に娯楽室を訪れた可能性は高いわ。確かに2発目のオーダーはあったかもしれないけど、それをやったのが私って根拠はどこにもないはずよ。いや間違いない、おめえが犯人だべ。あんた、さっきまで自分が犯人だって言ってたくせに。俺は自分の過ちを認めることを恐れないんだ。そういうタイプなんだべ。c'est vraiment le pire。それにそう断言できる根拠も思い出したぞ。一応聞いておこうか。あれは俺がオーガに呼び出された直後のことだべ。いきなり呼び出されて不安だった俺は予定時間より早く娯楽室の前で張り込みをしていたんだ。そんでしばらくしたところで俺は見たんだ、フカワッチが娯楽室に入っていくとこをな。
Vraiment ? その直後、今度はオーガが娯楽室に入っていった。だから部屋の中にはフカッチもいると思って、俺は安心して娯楽室に入ったのに、そこにいたのはオーガだけだったんだ。フカッチは消えちまってたんだべ。なぜそんな大事なことを今になって言う。自分が殺人を犯してしまったというショックですっかり忘れていたべ。JPP でルイ JPP。誰かあいつの頭のネジを探してやれ。おい、フカッチ、あの時おめえはどこに消えてたんだ。あんたの見間違いよ。私は娯楽室なんかに行ってないわ。消えたんじゃなくて隠れていたのかもね。私が娯楽室に隠れてたなんてそんなわけないじゃない。なんのよ、妙な言いがかりばっかり。この害虫とばめ。Non, ce n'est pas du tout ridicule. J'ai besoin d'une preuve montrant que Toko se cachait dans la salle de jeu. Et je l'ai. Elle a laissé là où tout le monde pouvait la trouver. Un nouvel élément a été ajouté à la contre-attaque par balle. Attendez. La contre-attaque par balle, c'est bien le truc où il faut affronter... Non, pas une deuxième fois. Voulez-vous en savoir plus? Bah absolument, quand même. Jusqu'à présent, vous pressiez probablement le left mouse button pendant votre dernière frappe, sans vous poser de questions. Mais à partir de maintenant, vous allez devoir prêter davantage attention à votre coup. Non ! Maintenant, vous allez devoir choisir la bonne cartouche vérité à utiliser pendant votre coup final. Vous la sélectionnerez de la même manière. Pressez simplement le A key. Nor, use, the mouse, wheel. Je déteste ce mode de jeu. De même que pour le débat, si votre niveau de logique est réglé à gentil, vous n'aurez pas à choisir parmi moins de cartouches. Mais dans un but éducatif, nous allons faire comme si c'était de toute façon réglé sur méchant. Quoi ? Non ! Juste pour cette fois. Non ! Pas pour cette fois ! Non ! Au passage, vous êtes à environ la moitié du jeu maintenant. Bien joué ! La moitié ? Ah, je pensais qu'on était à plus que ça. On est à la moitié du jeu. Ah, oh, ça va, on aura encore... On a encore 30 épisodes après ça, c'est super. Eh bien, bonne chance, amusez-vous. Moment de vérité, non. Non, bon, allez, concentration. Calme-toi par contre. Non. Je m'embrouille. Non. Non. Allez, encore un petit peu. Mais faut juste... Non. Allez, encore un petit peu. Enlevez-moi ce... Je déteste le négatif. Le tempo négatif est nul. Je perds toute ma vie. Oh mon dieu. Donnez le coup de grâce. On prend du casier. J'ai perdu toute ma vie. Ce mode de jeu, c'est de la merde. Le mode négatif est trop long et tu tapes dans le pif. Je déteste ce mode. Bon, là encore une fois, bon, je vous ai posé la question quand je vous disais, mais comment ils font pour montrer les preuves comme ça, blablabla. Bon, on m'a dit, bah, ils les montrent sur leur monopade et ils montrent les photos. Bon, je suis là, bon, ok, imaginons. Mais genre, comment, là, ils veulent comparer les mains. Mais comment ils peuvent comparer par rapport à la photo? La photo, elle va être plus petite. Comment on peut comparer la taille? Ouais, c'est bizarre en effet.
カーは俺に手間をかけさせるな。正直に言うんだ。はい、私の手形です。うわ、あっさり認めたべ。じゃあさくらちゃんを殺したのもあんた。そんなわけないじゃない。正直に言え。私が殺しました、多分。これまたあっさりだべ。だけど多分って何。深川さん、詳しい話を聞かせてもらえる。いいえ。あ、私は大神に呼び出された後先回りして娯楽室に乗り込むことにしたの。J'adore le fait qu'elle ne répond qu'à Byakuya. いかないと何されるかわからないし、かといって正面から行くのも怖いから、先に忍び込んでよって思って、それで廊下の中に隠れて。じゃあひょっとして見てたんか、俺が王賀を殴るとこも。その後、あんたが私の名前でダイイングメッセージを捏造した時もね。そりゃなんとも気まずい気分だべ。だから私は葉隠れがいなくなった後すぐにロッカーから出てその雑誌を雑誌棚に戻したのよ。その時雑誌を上下逆さまにして戻しちゃったんだね。仕事ないじゃない、急いでたんだから。間抜けすぎるな、どいつもこいつも。そんなことよりさくらちゃんを殴ったのはどうして。雑誌を棚に戻した直後、急に背後から獣のうなり声みたいなのが聞こえて、それで振り返ったら血まみれの大神さくらが私を睨んでたのよ。その血を見たせいで私は雑誌棚の前で気絶しちゃって。Ça, c'est bien dommage, ça. だから、その後のことは覚えてないの。あとは、あいつに聞いてもらわないと。Elle? Tu veux dire? ほっほー！出てまいりました！やっぱおめえのせいだったか。あたしのせい、ミャクヤ様のせい、二つのせいがぶつかり合うことで、そのせいはより高みに。聞かれたことだけ答えろ。お前が大神さくらを殺したのか。大前提としまして、私とネクラは同じ記憶を共有してないのです。なので何が起きたのか詳しいことは分かりませんが、とにかく私がすやすや寝てたら誰かがガシガシ揺すり上がるわけよ。あれ、王子様と思って目を開けたら、なんとスプラッ、私びっくり、びっくりしすぎて近くにあったボトルで引っ張っちゃった。だって怖かったんだもん。さくらちゃんは心配してくれてたんだよ。それなのにひどいよ。ひどいのはあいつだっつーの。おかげで燃える男子以外は初めて殺しちまったよ。その後あなたは証拠隠滅のためにモノクマボトルの破片を処分したのね。だって女なんかを殺したせいで死にたくないじゃん。どうせ死ぬなら白夜様を殺して死にたいわ。どこかで一人で死ぬ、一切の意味もなくただ死ね。ついてなかったの、いろんな不運が重なったのよ。だっていつものオーガチンなら私のボトル攻撃ぐらい平気でかわせたはずよ。さすがの彼女も葉隠れ君から受けたオーダのダメージが残っていたんでしょうね。いや、なんつうか、でもよかったべ、オーガは俺が殺したわけじゃなかったんだな。Alors c'est bon, continue à parler comme ça, et Ina va... とにかくこれで決定だね。じゃあ、J'étais certain que tu aurais quelque chose à dire à Hiro pour cette phrase là. ほら、どうしたのみんな、投票でしょ、さっさと投票しようよ。いや、まだだ。え？まだって何がまだなの？さっきの深川の話を聞いて妙だとは思わなかったのか？いや、思うはずだ。ん？妙って？葉隠れの王だ、その後の深川の王だ。だが、ça n'était pas？おい深川、
もう一度さっきの話をしてやれ。そうすればいくら間抜けなこいつらでもさすがに気づくはずだ。ラジャーよダーリン。Ce n'est pas encore terminé alors ? Celui qui a tué Sakura est... n'est pas encore découvert apparemment ? Apportez vos arguments. Résumé l'examen, état du corps de Sakura, poudre jaune. Ça doit être l'état du corps de Sakura. Attendez. Hop. Je crois que c'est l'état du corps puisque... Les traces de sang sont présentes autour de sa bouche. Ouais, c'est ça, état du corps. Donc si le deuxième coup de la part de Toku est ce qui a tué Sakura, alors le problème est... Où est-ce que Sakura est morte? C'était... Ah oui, d'accord. Okay. Attendez. Du coup, c'est... j'ai quoi là? Poudre jaune, résumé l'examen. Non, pas ça. Eta. Sakura sur une chaise. Oui, non, c'est ça. Je me suis jamais réveillé. Ton couvert de sang, ce n'est pas ça. Bien démoli. Devant l'étage. Fonce. Non. Ah, zut. J'ai réagi beaucoup trop tard. Hop, tire-moi ça là, voilà. Alors, redonnez-moi de la vie, hein. Par contre, là, je suis pas bien. 2 coeurs et demi, alors que j'en avais 10. C'est à cause des contre-attaques par balle, c'est le pire mode de jeu. Ça doit être ça. La preuve qui démontre qu'il y a eu une attaque devant l'étagère de magazine. Qu'est-ce que c'est la tache de sang devant le truc de magazine. Sang sur l'étagère de magazine. Présenté. Redemandez-moi de la vie. Un demi-cœur, c'est tout. Zashidano no maede no oda wa atta hasu da yo. Kana no mae ni nokosarete ta kekkon ga sono jijitsu o monogatatteru da. Ja, Ooga o koroshita ato, genocider ga shitai o idou saseta n janei no ka? Ore ga koroshita to misekakeru tame ni na. Ore ga nagutta toki, Ooga wa isu ni suwatte ta kara na. Iyaiya, machinasai tte. Atashi wa hasami ijou ni omoi mono wa motenai n da tte. Da kara あんな巨大な筋肉運べるわけねえだろ。じゃあどういうことだべ。どうだ、これでも事件は終わったと言えるか。でもそれにこの事件の最大の謎である密室トリックもまだ解けてない。あの謎が解けない以上この事件を解決させたとは言い切れない。あんな密室トリックなんて簡単じゃん。スカウがさくらちゃんを殺した後またロッカーに隠れたんだよ。なるほど、ジェノサイダーは密室が破られるまでずっとロッカーの中に隠れてたんだな。そんで密室が破られたどさくさに紛れてロッカーの中から出てきたんだべ。いや、それは違うと思うよ。La raison pour laquelle il est impossible que Toko se soit caché dans le casier, c'est que j'étais dans le casier. Le casier était trop petit, je l'ai vu moi-même. Je l'ai vu moi-même, puisque en fait on a vu que par la fenêtre que c'était déjà ouvert quand il y avait la chambre close. Je l'ai vu moi-même. じゃあジェノサイダーはどこに隠れてたんだべ。私は知らんよ。そもそも密室トリックって何。おめえは犯人なんだろ。なんで知らねえんだって。ってことは私は犯人じゃなかったりして。
そんなの嘘だよ。嘘ではない。さっきから言ってる通り、この事件には続きがあるんだ。だけどよ、ジェノサイダーが犯人じゃねえとなると、オーガの死因は頭部の殴打じゃねえってことになるぞ。それがどうした。だって別の死因なんて考えられないし。お前らがその可能性を見落としているだけじゃないのか。Pourrions-nous vraiment avoir manqué quelque chose d'important ? S'il y a une autre explication possible, peut-être que... Apportez vos arguments. Poudre jaune, Monokuma, qui a un témoignage. Oui, je pense que ça va être la poudre jaune. Puisque c'est le seul... Qu'est-ce qu'il a tué ? Ce n'est pas l'attaque de Sho, la génocidaire. Pas d'autre cause possible. Ce qui a tué Sakura. C'est le coup à la tête. Je pense que ça va être ça qu'il faudra raconter. Et donc déterminer à m'accuser. S'il y a un endroit où on pourrait trouver un indice, ça devrait être écrit là-dedans. Attendez. Du coup, le dossier Monokuma. Les signes d'un puissant coup, pas d'autres blessures ne sont notées. Cependant, il semble qu'à un moment donné, il finisse par le vomissement. Ah, du coup, ce serait le dossier Monokuma 4, puisqu'il a vu ce qu'il a dit après. Du coup, dossier Monokuma 4, on va faire ça. Alors, qu'est-ce que c'était ? Boum ! Ok. Il faut que j'essaie de ne pas perdre de vie, hein, puisque là, 3 coeurs et demi, je sais pas s'ils vont me ressortir encore une contre-attaque par balle, mais espérons que non. Ogami-san a toqué de l'eau, c'était la chine. その吐血が大神さんの死に関係してるとは考えられないかな。実際大神さんの下にはその痕跡も残ってたしさ。そんなの頭を殴られた時に口の中を切っただけかもしれないじゃん。口の中を切っただけならモノクマファイルに吐血なんて書かないでしょう。それに彼女の口の中には切ったような傷なんて見当たらなかったわ。そこまで調べたの？本当に死体大好きっ子ね。死体に興味があるわけじゃないわ。謎の解明に興味があるだけ。だけどよ、口の中を切ったわけじゃねえなら、その吐血の原因って体内で起きた異変が原因ということだ。大神さくらは毒を盛られて殺されたんだ。毒を盛られた？そうだ。この俺がたどり着いた結論である以上、そこに間違いはない。しびれる。ありえないよ、毒なんて。信じられないか。だったら説明してやろう。犯人がどうやって大神に毒を飲ませたのかをな。説明なんてでき無論だ。では始めるぞ。静かに白夜様の話を成長しなさい。おめえが一番うるせえって。謎を解く鍵は4階の科学室にあった。え、娯楽室じゃなくて？だったら俺も調べられたじゃねえか。現場の立ち入りを禁じられた程度で捜査を諦めたお前には決してたどり着けん場所だ。まあ当たってんべ。あの科学室には大きな薬品棚があり、そこには様々な薬品類が揃えられていた。そこでこんなものを見つけたぞ。それって毒薬か？そこまで強い毒ではないが、それなりに飲めばそれなりに死ぬ。だがこの毒の性質などはどうでもいいんだ。問題はこの毒薬の置いてあった場所だ。どこに置いてあったんだ？科学室の棚は A と B と C の3つに分かれていた。 A の棚には栄養剤、 B の棚には試薬、C の棚には劇薬や毒薬の類が置かれていたな。じゃあその毒薬も C の棚にあったんですね。さあどうだろうな。La bouteille de poison que Byakuya vient de nous montrer, je suis sûr de savoir d'où il l'a eu. C'était sur la même étagère que les compléments, j'en suis certain. Et c'était la section A. Il y avait une bouteille qui était dans la section A alors qu'elle devait être dans la section C. これだ。Encore un demi-cœur en plus. Ça va nous rapporter plus quoi. A の棚に置いてあったんだよね。え？でも A の棚って栄養剤とかが置かれてる棚なんだろ？妙だろ。
なぜ栄養剤が置かれている A の棚に毒薬の瓶が紛れ込んでいたんだろうな。なんでだべ。これが犯人が行った入れ替えの副産物だからだ。どういう意味？こういう意味だよ。Je ne pouvais pas en croire mes yeux. Yakuya amena la bouteille de poison à ses lèvres et... Yakuya-sama. Nous étions si choqués parce que nous voyions. Tout ce que nous pouvions faire était resté planté là à regarder. Et comme si c'était la plus naturelle des choses au monde, Yakuya était aussi calme que d'habitude. Mazuina.早く水を飲まないと粉だけ飲んだら喉が渇ってなるから。アホ、毒吐き出させんのが先だろ。確かに吐き出したくなるような味だな。これも毒が高級品だ。何の話だべ。もちろんプロテインの話だ。プロテイン、ヨガミ君、その瓶を貸してもらえる？ああ、構わないぞ。Kyoko prit la bouteille de Byakuya et racla un peu du contenu de la bouteille avec un doigt. Elle a touché ses doigts avec... Elle a touché ses doigts avec sa langue. プロテインね。え、そうだ。その瓶に入っていたのは毒薬ではなく、プロテインの粉末だったんだよ。だとすると逆に、本来この瓶の中に入っていたはずの毒薬はどこに行ってしまったんだろうな。 La bouteille de poison était en réalité remplie de poudre de protéines. Ça voudrait dire qu'inversement, le poison aurait dû se trouver dans... C'est possible ? Est-ce possible ? Anagram. Protéines. Je pense que ça doit être protéines. Non ? P-O... Pro... Du coup, il faut mettre un E, un E, peu importe, et une, un N, un, ah non, j'ai déjà, enfin, je voulais dire un E, mais du coup, ouais, j'avais déjà le Ok, oh, très rapide. Les anagrammes de ce jeu sont très faciles. Quelque chose sur la scène. Une bouteille Bokuma, un verre rempli d'eau, des protéines. Attendez. Il y avait aucun des deux, donc c'est des les protéines. Oui. Protéines の容器？しかも毒薬の入ったプロテインの容器だ。え？犯人はそれを渡すことで大神に毒薬を飲ませたんだ。そういや、オーガは前から言ってたべ。 プロテインは万病に効くって。だから、オーガは頭に傷を負った時、その治療のためにプロテインを飲もうとして。そこで差し出されたのが、毒薬が入れられたプロテインの容器だったんだ。そして、その入れ替えを行った人物の正体も。マジか？誰がやったんだべ。薬の入れ替えを行った人物を示す証拠は、化学室にはっきりと残されていた。 La preuve qui montre qui les a échangés, ça doit être, c'est sûrement ce qu'on a trouvé devant l'armoire. Les empreintes dans la poudre. Attendez. Okay. Devant l'étagère se trouvait l'étiqueté, la poudre supposée, selon Miguel, la poudre... Après le déroulement de l'incident... je sais pas lequel des deux ils veulent me faire faire. Ça ? Yes ! Ok. 科学室の棚の前に残された足跡。入れ替えをした人物を示す証拠って、あれのことだよね。今朝俺が科学室を訪れた時は、
あそこに足跡など存在しなかった。つまりあの足跡がつけられたのは事件前後のことだ。しかも足跡が残されていたのは A の棚の前だった。おそらく A の棚で毒薬とプロテインを入れ替える際、犯人が足跡を残してしまったんだろう。そしてあれだけはっきりと足跡が残っていれば、誰のものか割り出すのは容易だ。今すぐ俺たち全員の靴を調べるぞ。私だよ。